Street Art Sans Frontières, une association qui a fait ses preuves en matière d'accessibilité de l'art, a été sollicitée par l'organisme du CTID pour une mission à Djibouti, avec pour but de renforcer la cohésion sociale. Le premier jour, on est parti faire du repérage pour les activités. Il y a des jeunes qui sont venus et qui ont posé des questions directes. Et juste en leur expliquant qu'on allait peindre, ils étaient super motivés de venir. Le fait d'impliquer des gens non experts, c'était une innovation. Cet art est facile et accessible. C'est un art qui est très démocratique finalement, qui permet à tout un chacun de s'exprimer. Le fait de voir les gens travailler ensemble, ça renforce aussi la cohésion sociale. On a eu même un ministre, des maires de communes, des présidents de régions. On est content, je pense qu'on voit toujours le sourire sur les visages et ça montre qu'il faut en faire davantage. La collaboration entre l'organisme du CTID et l'association Street Art Sans Frontières a donc permis de mobiliser la population locale autour d'une initiative originale et accessible, renforçant ainsi la cohésion sociale. À très vite pour une nouvelle aventure.